Bonjour tout le monde. Il y a toujours soleil à Alger. J'attends votre question. Ah, vous m'étonnez, comme chaque fois vous m'étonnez. Je pense qu'on va parler un petit peu de football, je vais laisser un petit peu pour parler de football après. Je comprends de votre question parce que c'est ça qui vous intéresse depuis le premier jour, c'est toujours quelque chose. Pas football que vous intéresse, ça intéresse quelque chose à côté. Vous savez, il y a un sélectionneur et 40 millions sous-sélectionnaires. Sauf un journaliste qui ont un double sélectionneur. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas là. C'est votre cousin Karim ou frère, non? Mais il y a d'autres joueurs qui ne sont pas. Karim, il y a un joueur qui joue depuis un certain moment. Même le dernier match, il était capitaine, non? Vous voyez, il n'est pas là maintenant, et vous demandez pourquoi. Mais c'est Karim Zeni, il n'est pas tout seul dans la sélection. Il y a 40 joueurs qui peuvent être sélectionnés comme lui, comme les autres. C'est-à-dire, vous avez toujours oublié mon premier discours. Jusqu'au mois de décembre, je vais essayer de voir le plus grand nombre de joueurs algériens. Quand je dis algérien, il est algérien à étrangers, qui n'ont pas né à Algérie. Mais si un bon joueur qui a double nationalité, qui ressent attachement vis-à-vis de la patrie Algérie, s'il est bon joueur, s'il comporte bien, il est sélectionnable. C'est-à-dire jusqu'à décembre, je veux essayer voir pas mal de gens, pas mal de joueurs. Mais si Ziani n'est pas là, forcément, ce joueur à côté de moi, il ne sera pas là peut-être, non? Et je peux se tromper, mais sur le Karim que je connais depuis des années, je ne peux pas se tromper. J'ai entendu il y a une grosse polémique, même le gouvernement il a parlé de ça, non? Bon, chacun son boulot, hein. Et pour Karim, il y a 22 jours, il avait une blessure de à côté fessier, déchirement. Mais certains ont dit, j'ai entendu beaucoup de choses, mais vous savez, je lis pas grand chose. Il y a tellement de bêtises, je lis hier soir l'article sur moi, dans mon passage, je parle sagement, mais rien à la vérité. Bon. Je ne suis pas venu pour se justifier là. Il avait quelques problèmes musculaires. Il ne s'est pas entraîné 5 jours. Après, il a passé un examen. Le premier examen, il était un petit peu plus inquiétant. Après, moins inquiétant. C'est un muscle qui est petit muscle sur le crâne qu'il peut être gêné, mais pas trop. À côté, ici, le jambier est ici, là-bas, comment ça s'appelle À ce moment, je fais mon liste et tous les joueurs qui sont un petit peu touchés, qui ne jouent pas dernièrement, je n'ai pas convoqué, comme par exemple un Lich qui là aussi, depuis des années, il joue, qu'il était un joueur très important comme ça. Et je ne choisis pas rappeler le Karim vis-à-vis de ça, même il a joué, j'ai vu son 2 matchs qu'il a joué. Certains jeux qui étaient super, machin. Même s'il était meilleur du monde, j'ai pris d'autres jeux. Je vais donner l'occasion à d'autres gars. Parmi peut-être celui-là, demain, il va peut-être être là pour voir un petit peu. C'est-à-dire, Karim, comme au premier match, il était capitaine. Il a joué un match correct là-bas. Pourquoi je ne remplaçais pas? Il avait d'autres jeux, peut-être ils ont
Ils ont été moins bons comme lui, mais j'ai entré en attaquant, j'ai gardé d'autres attaquants qui étaient là, qui n'étaient pas trop performants, mais je voulais gagner ce match et j'ai terminé le match avec 4 attaquants. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème avec Karim. Est-ce que Karim sera après, avec, bah, s'il joue bien, il sera là, comme tout le monde, s'il n'est pas bon, mais il ne sera pas là. Comme je dis, vous ne m'avez pas écouté. Il n'y a aucun joueur algérien qui peut dire, il est sûr d'être joué ou sélectionné. Il n'y a pas un joueur. Et bien, j'ai une responsabilité, j'ai fait mes choix et je ne passe ni justifié, tout ça. Mais il n'y avait aucun problème. Récemment, Karim, il est par contre, c'est normal. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres aussi. Mais c'est mes choix, mais je, aucun problème, il s'est comporté bien, il était capitaine, il est appliqué, aucun problème. Est-ce qu'il est là prochainement? Moi, je veux dire, franchement, l'équipe algérienne de football appartient à personne, elle appartient à tous les Algériens, footballeurs, même journalistes et tout comme ça. C'est pas propriété privée. Ça veut dire que si vous pensez qu'il y a quelques problèmes, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je voulais qu'il continue parce que dernier match contre Tanzanie, il m'a ouvert les yeux de qualité et quantité de physique de joueurs algériens. C'est ça, c'est pas bien du tout. Et un joueur qui est un petit peu blessé et comme ça, qui ne s'entraînait pas à 16 jours, il s'appelle Messi comme ça, en ce moment, je mets sur le côté qu'il s'entraîne. Là-bas, il là, n'y a pas un joueur algérien qui était au moins 50% de cette possibilité physique. Et c'est la honte. Eh bien, j'ai dit, les gars, ben, vous mettez ça un petit peu au travail. C'est-à-dire, si, même si vous voulez mettre une polémique, il n'y a aucun polémique, c'est mes choix. Prochain match, il y a 2 matchs. Peut-être je peux appeler d'autres, entre guillemets, titulaires. Mais je ne sais pas, pour moi, il n'y a pas titulaire. Parce que je suis arrivé, je jouais un match. Il n'y a pas titulaire. Je suis appuyé, qu'est-ce que j'ai vu sur l'ancien. Ils ont joué, pas beaucoup nouveaux. Mais maintenant, j'ai en liste à peu près 40 joueurs. Dans le rang, qui, comment? Jusqu'à décembre, il ne faut pas toujours chercher pourquoi celui-là. J'essaye voir le plus grand nombre de joueurs, pas seulement footballistiquement, je dois parler un petit peu. Depuis hier soir, depuis arrivé, il n'a pas dit un mot, mais je lui ai dit quelques mots, parce que peut-être il ne sait pas parler. Hein. Il est timide comme ça, qu'il chante un petit peu. Quand on arrive avec la scène, il faut chanter un petit peu, regardez. C'est comme ça. Je connais sa personnalité, j'ai obtenu, hein. Mais j'aime bien savoir un petit peu comment il est comme ça. Jusqu'à décembre, j'essaye ça. Mais si vous avez d'autres cousins ou frères pour jouer, bah vous me dites, je ne suis pas sûr est-ce que c'est le sonnet. Voilà. On y va. Oui. Quel bilan vous tirez de ce que vous avez vu? Ah, quel bilan? Ben, je restais pendant un mois pour voir un petit peu. Ben, les choses conclusives ne sont pas positives, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a plus remarqué, c'est de chaque match, il y a plus de crampes de jouer comme le but. Oui, c'est rigolé, mais c'est le triste aussi. C'est le triste, les gars. Le football algérien, il faut se mettre au travail, monsieur. Les entraîneurs, les joueurs, il faut faire la guerre, il faut bosser. Conclusions ne sont pas parce que je dis, bah, il est aussi critique. Non, non. Conclusions ne sont pas terribles. Pas terribles, je dis franchement. Ah, de travail. Quand un joueur, à 50 minutes, il a crampe, dans un rythme comme ça, mais je veux dire, chaque match, c'est peut-être la culture. À 50 minutes, tout le monde il prend le cramp, avoir le cramp et tout ça. Dans un rythme qui n'est pas plus élevé, il faut se organiser la vérité. Il faut se dire la vérité pour tous les Algériens. Cette nation,
nations, il y a beaucoup de possibilités. Il y a un petit peu de richesse. Quand je vois le centre Sidi Moussa, c'est un bijou. Le terrain, meubles, tout ça, ça c'est pour travailler. Mais il faut mettre les gens à travailler. Premier sélectionneur, tous après tous les entraîneurs, et surtout le joueur. Là, que j'ai vu, c'est quelque chose qui m'a même surpris, mais négativement. Mais voyez les résultats, le club d'Algérie dans la Coupe d'Afrique, CAF, Coupe Champion, ils ont pas. Pourquoi? Je connais toutes les raisons pour ça. Équipe algérienne qui plonge, pourquoi? Je connais maintenant tout ça. Au départ, c'était inconnu. Et pendant trois mois, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup observé, j'ai regardé, j'ai fermé ma gueule, j'ai donné aucun message comme ça. Je dis, qu'est-ce qui manque de travail et compétences? Tous les niveaux. À tous les niveaux. Je ne parle pas de formation comme ça qui n'existe même pas. Bah, il faut se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Si on est avec le président discuter, réformer, même révolutionner, un joueur me dit révolutionner sur beaucoup de choses, mais est-ce qu'on va réussir, je ne sais pas. Mais que vous sachiez, je ne sais pas donner, arriver à Alger ou Algérie pour donner les leçons, je suis arrivé pour travailler. Et pour avoir meilleur résultat, avoir un meilleur joueur, il faut surtout retenir qu'il donne au moins les consignes ou les leçons à tout le monde, il faut qu'il bosse le terrain un petit peu plus. Bah, le seul message que j'ai, je ne veux pas dire ça. J'attends un petit peu plus, je pensais plus, mais souvent, vous voyez, quand monsieur m'a posé la question, depuis mon arrivée, vous m'avez harcelé, pourquoi j'appelle le joueur de Qatari? Il y a un moment que je n'ai pas appelé, il y a Meigny, là, comme ça. Et pour quand je n'ai pas appelé, ça c'est polémique, hein? Mais il faut être cohérent de votre part aussi. Et le football qatarien est nettement meilleur qu'au football algérien. Parce que j'ai vu dizaines de matchs aussi là-bas. J'ai vu chaque match de Belaj, et Antar, et Karim, et, je ne sais pas, tout le reste. Ah, il est un petit peu au niveau supérieur, même, hein. Et une fois, demain, si j'appelle pas quelqu'un de l'Albanie, il me dit pourquoi l'Albanie, ça, non. Faut que vous êtes cohérent de votre discours aussi. Par exemple. Attendez, monsieur, si vous êtes fâché, c'est votre problème. Attendez, monsieur, respectez un petit peu. C'est un petit commentaire sur votre réponse par rapport à la question du porteur. C'est que vous avez fait une erreur, vous avez fait, vous avez fait une vérité aux journalistes. Oui. Après, on a le droit de ridiculiser. Mais vu que nous avons le droit de ridiculiser mutuellement, vous allez vous poser une question. Vous êtes là pour 30 minutes à répondre aux questions des journalistes. On nous dit que c'est le ministre de Sportler, nous avons des questions sur les joueurs. Vous devez lui répondre tout simplement, bien sûr. Bien sûr, vous êtes sélectionneur, vous n'avez pas donné des explications. Mais de là à le ridiculiser devant ses assistants, je préfère ne pas assister à ce type de comportement. Si vous. Bon, vous avez terminé. Bon, j'ai pas ridiculisé, j'ai un petit peu fait le petit blague, mais j'ai donné l'explication avec tout le respect que je dis. Si vous êtes autrement, ça c'est votre problème. Je ne propose pas que j'ai agressé, monsieur. Il a même rigolé comme moi aussi. Hein? Si vous, il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit, respect. Pour vos notions de respect, il faut que vous connaissiez un petit peu mieux. Ok? Allez, continue. Bah, monsieur, vous prenez maintenant, si vous pensez que je ne veux pas respecter, il ne faut pas assister, il ne faut pas poser des questions comme ça. Je pense que c'est tellement respectueux. Bon, ok, hop. Ok, on y va. C'est bon, Yannick.
la France a réagi à partir de la de la France, je vous rends une situation là et ce qui est important pour nous, peuple algérien, c'est l'appareil RCA. Et là, je vous pose la question, pensez-vous, M. Aminovitch, pourquoi former une équipe compétitive en ne se basant que sur les états suivants? Donc en plus, à ce jour, on n'avait pas encore décidé de comment allez-vous former cette équipe. Est-ce que vous allez opter pour des joueurs du club, c'est-à-dire les locaux, ou faire confiance, même s'ils sont en train de l'équipe, des joueurs qui sont en capable, ou encore chercher, et là c'est une aventure de tranchant, aller chercher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des binationaux, tout en sachant que vous allez construire sur le marché. Qu'est-ce que vous avez à faire de ça? Abstrait. Vous allez prendre une situation là, en se basant sur des binationaux. Ils n'ont pas encore assez de l'agir. Oui. Est-ce que c'est pour ça que vous avez comme je dis dans le premier mon discours, d'abord pour Ziani, il n'est pas évincé, il n'est pas banni, pas du tout. Pas du tout de ça, il n'est pas. Il n'est pas là parce que j'ai essayé d'autres jeux pour construire un groupe que je vais utiliser après le mois de janvier, déjà en février, on a un match de qualification pour Cannes 2013, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de joueurs. Est-ce qu'il va jouer Algérie? Est-ce qu'il va jouer à Qatar? Est-ce qu'il va jouer en France? C'est le meilleur joueur que je vais essayer mis dans la disposition de l'équipe nationale. À propos de double nationalité, c'est un chose un petit peu compliquée. Comme je dis, si un joueur algérien qui a double nationalité français ou algérien, si je dois discuter avec lui, s'il ressent attachement vis-à-vis le patrie, vis-à-vis ça, comme ça, mais il sera sélectionné, parce que pour moi c'est un Algérien. Aujourd'hui le monde fonctionne comme ça, il y a double nationalité partout, et on joue comme français, algérien, algérien, français, et comme ça. C'est pas un surtout, ni comme ça, mais je dois, vis-à-vis, comme vous dites, le peuple algérien, être crédible. Il faut pas supplier quelqu'un pour faire venir jouer, parce qu'il fait son propre promotion et tout ça. Pas du tout. Et là, il faut, ça c'est une chose qui dépasse un petit peu les limites sportives, il entre dans le monde un petit peu plus compliqué. Patriotisme, politique, machin, tout ça. Et ça, il faut être très, 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 très vigilant. Et je ne veux pas tomber dans la pièce, parce que, comme on dit, vous êtes là 200 personnes qui te posent différentes questions. Je dois explication à différents choix que je fais. Il y a 40 millions qui aiment ça, ça, ça. Mais je dois être crédible vis-à-vis tous, mais surtout vis-à-vis mon président, le dirigeant, et le peuple algérien. Et si un joueur, il mérite de jouer, je le fais jouer. Mais je dois d'abord discuter avec lui ses qualités footballistiques, c'est un côté, qualité humain. Je peux amener un joueur qui ne respecte pas ça, vous savez ça, il ne faut pas entrer dans le détail, il ne respecte pas le groupe. Ah non, il ne va pas jouer. Mais je dois savoir et être persuadé qu'il va apporter plus. Et pour moi, c'est ça. Souvent, vous allez poser des questions, pourquoi le coin il joue ou pas et comme ça. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'utilise le coin, vous voyez, je change, machin, pour voir un petit peu. Je peux se tromper, peut-être qu'il y a un meilleur joueur à ce moment. Mais en même temps, je fais mieux possible pour le premier match contre la RCA, parce qu'on est éliminé depuis certains moments déjà. Mais match pour moi, il y a plus d'importance de qualification pour le groupe, pour l'équipe nationale. Parce que, en ce moment, l'équipe traverse un moment délicat. En arrivant de certains joueurs, il me dit, on n'a jamais gagné là. Ça veut dire, j'ai fait exprès, on joue là, qui enlève ce terrain public, machin, média, comme ça.
Je veux que je sois libre. Peut-être risque, peut-être, je ne sais pas. Mais pour nous, ces matchs contre Saint-Pravatique, plus important de qualification, c'est une qualification pour le groupe. Où on va plonger, parce qu'après le match contre Andesini, l'ambiance, il est pas mal. Pas mal. On a resté spirale négative. Est-ce qu'on va maintenant plonger encore plus profondément? Et après, il faut peut-être un an pour lever la tête. Ou on va lever la tête un petit peu plus haut. Ça veut dire, c'est tout ça, c'est délicat et tout ça. Avant que je prenne une décision, je passe le temps de préparation, de réflexion, tout ça. Et ben après, j'ai toute l'explication. Je peux te tromper. Mais que je fais souvent vous journalistes parce qu'il y a contre ça. Je contre personne. Je n'ai aucun problème. Personne. Je fais à mes consciences humaines et comme coach mes choix pour essayer d'avoir un groupe qui sera moins changeable. On peut dire comme ça. Saison pour l'an prochain, surtout moi en février, je dois avoir déjà quelque chose. Et comment on va jouer? Tout à l'heure, je vais expliquer les choses sur le football algérien. Car monsieur m'a posé une question, le match que j'ai vu. Mais maintenant, je comprends pourquoi on ne marque pas beaucoup de buts. Pour Mathieu, il faut jouer un petit peu plus vers avant. Il faut plus jouer à 16 mètres. Et je vais un petit peu expliquer pourquoi maintenant je fais ça. Je pense j'entends beaucoup de choses avant, après, ça ne me regarde pas. Jamais équipe algérienne a joué avec 4 attaquants. Match contre l'Algérie, on pouvait perdre, mais on pouvait gagner aussi, non? Ils ont eu 1-2 occasions, mais nous aussi. Vous comprenez ça? Mais je préfère perdre avec audace, avec comme ça, mais je gagnerai après. J'ai l'impression que le joueur n'a pas honte de 16 mètres. Peur pour marquer, mais c'est la même chose pour toi, je restais à Algérie pendant un mois, visiter les choses, regarder, mais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens parlent, machin, comme ça, et surtout voir le terrain. Et j'ai mes conclusions, je note et je réfléchis. Comme je dis, c'est difficile de faire unanimité. C'est difficile de faire unanimité, mais j'essaye de donner mon opinion, mon touche. Pour le football algérien, j'ai ma ambition personnelle que le football algérien devienne un petit peu plus offensif. Ok? On y va. Parce qu'après, je vais en parler un petit peu de choses. Vous allez voir certaines choses positives, certaines choses négatives. Pourquoi ça? Après, vraisemblablement, vous allez un petit peu avoir moins de questions sur pourquoi ce joueur-là, pourquoi ce celui-là. Parce que 24 joueurs là, il y a encore 24 joueurs qui peuvent être sélectionnés. Et chacun, quand j'ai un petit peu rigolé, le monsieur, ils ont pris très mal que manque de respect. Alors, mon base de travail, monsieur, c'est le respect. Voyez, pas une fois que je suis arrivé là, au retard. Mon grand façon de travailler, le respect, que je fais un petit peu blabla, il arrive rigolo, est-ce qu'il doit s'excuser, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas prendre ça parce que votre commentaire, il est un petit peu... Ça c'est chaud. Non, c'est tant mieux pour vous, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que l'équipe n'était pas très bon. Comment vous les avez trouvés cette fois-ci? Et sur quoi vous avez assez votre travail sur ils ont été là avec les nationaux, ils n'ont pas trouvé le club, ils ont changé le club, ils n'ont pas passé le stage de préparation. Après, il y avait Ramadan qui reste une trace et je vis de ce moment. Dans chaque duel individuel aux vitesses, on était battu. Et quand je fais le stage de travail de 3 jours,
ça veut dire on peut pas là améliorer physique. Là, c'est récupération, comme hier soir, ça c'est une séance légère de récupération. Il y a aujourd'hui, demain, il y a présent, 3 jours de travail, et 2 jours vendredi, samedi, c'est pire tactique. Il y a, ça veut dire qu'on ne peut pas améliorer le travail physique. Je suis à remercier de leur travail, de leur propre club. Vous savez, si un joueur physiquement pas bien, de son club, il ne sera pas bien non plus là. Au 3 jours, on ne peut pas améliorer le... comment je le trouvais? Ils ont rigolé. Physiquement, mais je dis, c'est un décassage. Certains, ils ont... Certains ont joué, il avait 2-3 groupes. 2-3 groupes différents. Certains qui ont joué vendredi, certains qui ont joué samedi, certains qui ont joué dimanche. C'est-à-dire, 3 traitements différents. 3 traitements différents. Et le gars, ils sont arrivés avec deux blessés. Je pensais qu'ils avaient commencé à parler d'abord blessés. Il y avait même un retard. Vous n'avez pas remarqué. Il avait un joueur de retard, vous voyez. C'est-à-dire que je travaille pour la transparence totale. Retard, il doit arriver un petit peu plus tôt. Il y a 2 joueurs blessés que j'ai changés, qui étaient déjà prévus parce que j'avais prévenu les joueurs. Qui jouent étrangers, on doit envoyer les convocations pour eux, les joueurs qui ont été, qui peuvent être convoqués au cas de blessure, c'était déjà préparé. J'ai encore un gardien et un joueur que j'ai découvert. Personne n'a jamais parlé. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur que j'ai vu à Algérie qui joue. Parce qu'il joue petit clou, il est remonté à 2e division. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde me regarde. Personne n'a parlé de lui, c'est lui un bon joueur intéressant. On a regardé 4 matchs, dans chaque match il était meilleur. Mais personne ne parle de lui, parce qu'il joue de petit coup. Et peut-être prochainement, comment? Eh ben bon, on verra. Hein? Non. Ça veut dire, j'ai découvert un petit peu, et on a regardé 4 fois, observé, et chaque fois il a donné satisfaction. Peut-être pour le prochain stage, mais qui est là pour le voir? Et je parlais à tous les entraîneurs, ils ne connaissent pas. Vous voyez? Eh ben, on verra. Si j'appelle, je ne veux pas dire, ben, si j'appelle, je vais faire parce que j'étais étonné que personne n'a jamais dit de ce joueur. Ça veut dire, l'ambiance dans l'équipe, il est bien, mais. Déjà, j'ai une réunion avec le joueur, j'ai dit, on est éliminé, mais pour nous, c'est un match plus une qualification. Pour quand, c'est un match pour nous, pour sortir de cette morosité, de spirale négative qui s'installait depuis un certain moment. Il faut faire tout, malgré le terrain, parce que, on dit qu'on, ce sera maudit, on peut pas ça, on peut pas mettre de côté, faire la pression de tout, il faut essayer de gagner, et j'attends, il y aura du monde pour supporter, parce que cette équipe est à un moment crucial. Est-ce qu'on va continuer à sombrer dans un mauvais résultat ou on va lever un petit peu la tête et être un petit peu plus optimiste pour la suite, c'est-à-dire les matchs déjà mois février et surtout qualification pour Coupe du Monde mois juin. Coach, dernièrement, vous avez convoqué Michael Farmer, qui a empêché dernièrement 3 buts avec son équipe à l'Atlante. En même temps, vous avez écarté le gardien de Nora, qui fermait son parcours avec son équipe. On peut savoir que c'est d'ailleurs l'Atlante. Et pour Jaco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les qualités de ces joueurs qui nous ont entendu? Michael, vous savez. Je l'ai convoqué pour Marcoussi, je l'ai parlé. À un moment, quand tu gagnes ta place à Lens comme titulaire, tu seras sélectionnable. Il était ravi comme ça. Il a gagné sa place. C'est en ce moment le meilleur joueur de Lens. Il a pris 3 buts, c'est vrai, mais d'autres matchs, il n'a pas pris. Regardez, il a une très bonne
crédibilité là-bas. Il a gagné poste titulaire, qui n'était pas encore ses débuts, et c'est venu pour voir un petit peu comment ça. Donc là, je regardais, il a fait bon mon match, mais il est là dans la liste parmi quatre gardiens, il est là. Que vous sachiez, je n'ai pas éliminé. Il ne faut pas dire éliminé, parce qu'il est là pour ça, mais il est dans mon foyer. Peut-être que le prochain match, il sera là. Pour ce garçon, je cherche un joueur organisateur qui peut un petit peu donner un coup de patte plus offensivement dans l'enchaînement vers avant, parce que dans mon option tactique, je voulais un petit peu plus qu'on joue vers avant, qu'on joue plus au profond, qu'on joue plus efficacement, et je vous vois un joueur qui a dû être techniquement, qui a un patte précis dans l'intervalle, dans la profondeur, et je regardais si un joueur correspond. Mais il y a d'autres problèmes chez lui, le course, machin, physique, comme ça. Mais Garcia, il a beaucoup de talent technique pour devenir un joueur. Comme tout le monde, comme hier soir, je dis, tous les joueurs, ils vont augmenter son volume du jeu. Il défenseur, il milieu, il attaque. C'est lui défenseur, il ne peut pas se contenter seulement de défendre, il faut participer dans la construction du jeu. Milieu, il est défensif, il est offensif, et on a un énorme, vous allez voir tout à l'heure, problème. Attaquant quand il perd le ballon, il s'arrête. C'est fini le football pour eux, c'est fini le match. On récupère jamais le ballon dans la propre terrain d'adverse, on récupère très bas. Et je veux changer ça. Ça veut dire que je vais essayer lui, il y a encore un deux joueurs qui sont comme ça. Roth, il a joué Karim là-bas dans l'axe. C'est à peu près ça, mais Karim il a un petit peu sorti gauche, un petit peu trop, là il n'était pas dans la position que j'ai demandé. Je vais essayer d'autres, je vais voir un petit peu comment je dois savoir il compte son jeu que je peux voir. Je peux voir dans son propre club, mais je dois voir dans mon organisation, en équipe nationale. C'est-à-dire, prochainement, je vais essayer d'autres joueurs. Quand je parlais de ce joueur que je parle d'un prénom, j'étais un petit peu fasciné que son rendement, on a suivi 3-4 fois, et chaque fois il a montré sa qualité. Ben, on continue. La prochaine fois, peut-être j'appelle pour savoir comment il est. Je regardais tout à l'heure, il est trop timide comme ça. Parce que quand il est meneur de jeu de ton équipe, vous s'imposez un petit peu, pour se voir un petit peu ça, parce que c'est ça qu'on s'impose dans l'équipe. Et cette transition, changement de mentalité, changement de volume de jeu, efficacité, ça, on ne peut pas attendre 2-3 ans. Il faut aller plus vite possible. Voilà. Bonjour, coach. Coach, dans le passé, on avait des joueurs qui étaient particulièrement dans leur cœur, qui ne voulaient pas trop à la situation parce que le sport c'était des petits équipes. Est-ce que ça va continuer ou ça va changer dans la vie? Ben, je pense que c'est un petit peu répondu. Titulaire ou pas titulaire, il faut gagner sa place. Aucun joueur, je fais ce deuxième point, il n'est pas titulaire indiscutable. S'il mérite, il sera titulaire. Est-ce qu'il va jouer à Qatar ou là? Il n'y a aucun problème. J'ai essayé sélectionner les meilleurs. Mais il ne faut pas grâce à bon parce qu'il y a d'autres raisons qui lui a dit ah, c'est ma place assurée. Non. Non, j'essaie de jouer sur le concurrent Sen, et il s'appelle Djebou, il s'appelle Raïs ou Djemar, ça ne me regarde pas. S'ils sont bons, ils vont jouer. Avec tout le respect pour tout le monde, mais je ne peux pas faire plaisir à personne. Ce n'est pas venir pour faire plaisir à jouer, c'est venir là pour gagner l'équipe. Eh bien, j'aimerais bien que tout le monde trouve sa position, titulaire, pas titulaire. Je regardais, par exemple, contre match, contre Tanzi, comportement, le joueur réplaçant. J'ai entendu beaucoup de choses, mais j'ai entendu, mais je veux savoir avec mes propres yeux, comment ça. Il va jouer un rôle plus copain, plus efficace, qui s'applace. Tout le monde n'est pas content qu'il ne joue pas. Une fois, j'étais remplaçant pour le Coupe du Monde, je pensais que je vais exploser. Parce que je pense que je méritais de jouer. Mais il a fait ses choix.
c'est à cause ça, respect, pour moi c'est comme ça. Mais respect, le joueur, il comprend que ça va. Est-ce qu'il y a joué ou est-ce qu'il pas joué? Pour lui, c'est ça. Mais nous, c'est rien à voir. Respect, c'est connotation humaine. Ça, c'est footballistique. Qu'est-ce que ça, ça? Un joueur complémentaire, complicité, complémentarité. Mais c'est ça dans la composition et l'équipe. Un bon joueur, je me souviens à l'époque, à Italie, il avait Baggio, il avait qui encore, mais un joueur peut-être meilleur d'Europe, mais il a un organisateur. Mais il ne faut pas que tout le monde organise le jeu. Il faut un organisateur à Italie, c'est Baggio ou Totti ou comme ça quelque chose. Un qui est sur le côté, l'autre qui l'a joué, parce qu'il n'a pas place pour deux. Ou Del Piero, comme ça quelque chose, même en Juventus. Ça veut dire complémentarité. Vous savez comment composer une équipe. Mais il faut un quelqu'un de plus rapide, qui est plus costaud, qui est comme ça. Ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque? Jouer rapide. Jouer rapide. On n'a pas à gérer, jouer rapide. Eh bien, je cherche. Dans mon vision de jeu, j'essaie de jouer plus rapidement vers avant, mais il faut demander quelqu'un. Mais je vais chercher un joueur, il demande sur ballon dans la pied. Et maintenant, statistique, il dit, mais garçon, non, c'est dans mon ballon ça. Comme je dois parler, ce soir je vais avoir une discussion, je dis, parce que je regardais le match. Mais toujours, reculant pour un ballon comme un autre, ça, ben je peux aussi jouer. Ou Maradona, qui était génie, il peut encore jouer, mais il ne peut pas courir là-bas. Vous comprenez? Football aujourd'hui, c'est base, mais tu dois être 100% ou 101% prêt pour jouer pour autrement, qui est minable. Tu ne peux pas jouer, malgré technique exceptionnelle. Et lui, mais il est là, il ne faut pas que tout de suite il est traumatisé, garçon, mais il est là. Mais il y a beaucoup de talent, j'ai vu son pied gauche, l'altération. Je manque le changement de rythme, altération, vitesse vers avant. Par exemple, un match, un joueur, je ne sais pas comment vous avez estimé son rendement, Karim Mahmoud. Il avait 3-4 occasions super. Il avait 3-4 possibilités pour le don en ballon. Il n'a pas fait un bon match. Mais il était présent en profondeur. Et deux fois, s'ils ont donné le ballon, il ne peut se présenter tout seul. C'est ça que je veux. Au lieu du ballon dans la pied, mais c'est ça. Je ne peux pas se tromper ça. Qui fait petit pont, qui fait ça. Ça, pour moi, pour certains, ça, on a techniquement, il est fort. Mais non. En dribblant, mais toujours derrière l'adversaire. Eh bien, je le dirais, lui, avec son affaire, il accélère, il ne peut pas 10 mètres courir, après il s'arrête parce qu'il est fatigué. Mais il faut qu'il remonte ça. C'est pas que tu que j'ai une consigne pour qu'il devienne un joueur intéressant. Je viens dans le monde tout professionnel, je sais comment ça se passe. Ça veut dire, je demande aux joueurs qui sont physiquement beaucoup mieux au top et qui jouent beaucoup plus vers avant. Ok? On y va. Bonjour, Adrien Bastien, bien motivé. Je vais vous poser la question les deux fois dans celui-ci, vous avez répondu. Je ne connais pas encore tout bien le groupe, mais les sports, vous connaissez les joueurs, il y avait Marcucci, il y avait notre stage, il y avait un match, votre premier match. Il y a une réponse précise du groupe que vous avez, donc vous pouvez vous questionner. Avant la première question, quel est votre discours avant le match de la France-Afrique, c'est un match pour d'intérêt, en tout cas pour la qualification. Quel discours vous avez pour motiver les joueurs qui viennent de leur championnat, d'être fatigués, qui jouent leur place? Est-ce que c'est un casting pour eux? Ou est-ce qu'une histoire pour Malinovic est toujours impérative, même s'il n'y a pas d'enjeu? Ça, c'est ma première question. Il y a beaucoup de questions de ce sujet. Et si vous voulez, répondez-vous de la deuxième. Le bon jeu, le 10 de jeu, pour la tête de la n'existe pas. Depuis plusieurs années en situationnel, on joue n'importe comment, on marche en gagnant en statut en Coupe du Monde, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de 10 de jeu, bien sûr, à l'Algérie. Vous venez avec votre philosophie. Bon. Sauf pour l'attaque, est-ce que vous arriverez à réaliser justement votre philosophie avec des joueurs qui sont en place, à part les gens dans l'équipe que vous voulez, qui y arriveront? Oh bah vous avez posé 1000 questions sur une. De toute façon, je parlais un petit peu de jeu. Tout à l'heure, on va essayer vous dire quelle est mon conception de jeu. Mais regardez, conception de jeu. Qualité de l'équipe algérienne, c'est plutôt, on est dit costaud défensivement, on ne prend pas le but, si on marque, on coupe front, machin, comme ça. Et j'ai essayé un petit peu de changer. Et après, je fais contre la nature. Qui joue sur qualité des joueurs.
Parce que le monde essaie, c'est pas qualité pour marquer, on marque pas beaucoup, non. Mais j'essaie de transformer ça. Et cette transformation, ces changements, on ne fait pas ça. J'essaie. Dans mon discours, dans mon travail tactique, dans mon explication, parce que j'ai souvent une discussion individuelle, je sais qu'est-ce que je dois parler à ce garçon. Hein, pour essayer de changer la vie sur beaucoup de choses. Il dépasse immense. Vous savez, on donne le ballon, on reste derrière. Mais pour parler, on a parlé. Avec moi, il a entré, j'ai regardé son match, je n'étais pas content dans son rythme de match. Il n'a jamais donné ballon à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués. Et en plus, on a travaillé. Et ça se change. Même on a travaillé, ça ne change pas très vite. Au football, on pose mal le temps. Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. Au moins, je vais essayer de changer certaines choses. Volume de jeu, je vais la bonne passe, vous allez voir, maintenant, on a fait déjà un pas, même significatif, pour le dire, on a avancé certaines choses. Et première question que vous posez, pour nous, c'est match pour qualification pour Coupe du Monde. Je répète, c'est un match plus important qu'un match de qualification pour Coupe du Monde. Parce que ce match, si on ne réussit pas, ça peut prolonger une malaise sur des mois et des mois. Et vous demandez à jouer, venir, c'est même premier soir, je dis, qu'est-ce que m'intéresse, c'est gagner. Ben, j'ai demandé aux Tanzaniens aussi, gagner. Pro, ben, j'ai mis 4 attaquants à la fin. Je pouvais perdre aussi. J'ai pris risque. Mais j'étais moins satisfait des résultats, mais où j'étais très satisfait, je dis même fier de mes joueurs, ils ont donné 100% à faire, mais certains 100% et 30% de ses moyens. Tous les joueurs, après le match, ils ont tombé, ils ne pouvaient pas marcher. Ils pouvaient donner plus. Ils pouvaient... Vous avez vu le match en Tanzanie, vous regardez, chaque duel en vitesse, ils ont gagné en Tanzanie. Et on dit, mais quel Tanzanie. Mais il faut se poser la question au football algérien. Le football algérien, maintenant, est 12e division. Il ne faut pas qu'il tombe 3e. Il faut se ouvrir un petit peu les yeux. Mais pourquoi chaque joueur est plus rapide comme eux? Parce que ce n'est pas faute de sélectionner comme ça. C'est à quoi ça je veux faire tout ça, préparer, voir plus grand nombre de joueurs pour démarrer 2012, peut-être un groupe plus stable. C'est pour moi toujours, mais c'est la force de l'équipe nationale, il n'y a jamais permis pour personne. Mais pour arriver à ça, je dois avoir discuté comme ça. En même temps, avoir un résultat, parce qu'on ne peut pas continuer, l'équipe nationale ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Le football, souvent, le football algérien, il va progresser. Mais il y aura quelques problèmes, il y a quelques difficultés, il y a quelques conflits, quelques échanges, comme ça. C'est normal. Pour progresser, c'est ça. C'est pas linéaire. Normal, comme ça. Et je sais seulement que ce peuple algérien, il est très attaché à l'équipe nationale. Il adore le football, ben il faut présenter quelque chose d'autre. Est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. Et tout à l'heure, je vais parler un petit peu de choses. J'espère que la prochaine fois, on aura plus possibilité de parler de le jeu du football au lieu est-ce que celui-là, est-ce que celui-là. Je dis chaque fois, je peux se tromper. Mais mon opinion, ce n'est pas écarté. J'ai un problème avec aucun joueur. Moi, ils sont là. Vous savez quel conseil je vais donner à mon... vous parlez tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il est vrai? Vous parlez devant le journaliste, tout ce que vous voulez. Ok? Je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du championnat algérien. Vous avez parlé du championnat des valeurs privées. Vous avez dit, je ne suis pas venu en Algérie pour vendre des émotions, mais pour travailler. Un peu plus tard, vous avez parlé d'un joueur que vous avez découvert, qui joue dans un petit club. Vous avez dit que personne n'en parle, personne n'en a parlé. Bon, on sait qu'il n'a pas bien sorti contre le championnat du football algérien. Est-ce que vous envisagez de rencontrer vos collègues, les clubs algériens, si vous avez. Je vous réponds. On est en train de préparer, vous savez, le staff pour l'équipe A'. Il y a des anciens, grands vedettes, les gens de football qui vont essayer. On va organiser. Mais on ne peut pas aller très vite. Il faut voir comment se fait. Parce que cette équipe locale qui va jouer en 2014, on a un petit peu le temps. Ceux qui vont un petit peu regarder.
ce jeu qu'on a parlé, enfin, jeu, il arrive de deuxième division. Mais perso, que je dis, même dirigeant comme ça, perso, il n'était pas. Et j'étais un petit peu surpris. Ça veut dire, tous les joueurs qui sont bons, ça m'intéresse. Et on va mettre en place cette équipe qui va travailler, on va organiser un petit stage pour améliorer. Et je demande au président si on peut organiser un rendez-vous avec le dirigeant de Tchakou pour dire aujourd'hui, le football algérien, il ne peut pas progresser si on n'avait pas base. Base, c'est la formation. Donnez moyens économiques et les conditions pour travailler. Mais s'il n'y a pas de conditions, s'il y a, il ne peut pas progresser. Base football national, il fait dans la formation. Après, avec les entraîneurs, qu'on échange un petit peu, que je donnais. Mais je dis encore une fois, je suis arrivé il y a deux mois. Je n'ai pas que mon message est libre à critiquer ça ou donner leçon. Je n'ai pas ça. Je sais qu'à qui est dans le club, donner leçon. Non. Et avec ce jeune, je vais essayer de provoquer une réunion pour dialoguer. Chacun qui donne son avis, comme ça. Je ne dis pas que je tiens toute la vérité pour nous. Pas du tout. Ah, c'est quelqu'un qui est vraiment appelé. Hein. Non, je veux dire. J'ai mon opinion, je vois ça. Mais les choses que je dis, je ne peux pas dire qu'ils sont bons. J'essaye de voir, mais c'est, je pense que le football algérien, il peut être à d'autres niveaux. Quand je vais dans un match, 4-5 joueurs qui mettent Trump à 50 minutes, c'est comme ça. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est pas un rythme très élevé. Il faut se poser quelques questions. Qui prépare la préparation physique, machin. Je travaille un petit peu avec l'équipe olympique aussi. J'ai vu des choses comme ça. Ça veut dire, je ne passe pas le temps comme ça. Je vais essayer de donner comme je peux, comme entraîneur, c'est beaucoup de choses. Est-ce que je le sais? Je ne sais pas. Mais, que vous sachiez, le football algérien, il est plein recommencement de travail pour comme ça. Et que vous venez à Sidi Moussa là-bas, c'est vraiment un bijou. Je demande au président pour qu'il mette encore un gazon. Ils ont ça à mettre comme ça. Ça sera peut-être un de centre. Mais hier d'Algérie. Et maintenant, c'est à nous. Non, il faut bosser, là. Il faut faire la guerre et bosser, non? C'est pas moi qui l'a fermé, c'est un règlement, je sais pas. Vous, quand arrivez à Milanello ou comme ça, Barcelone, vous pouvez pas, mais vous pouvez croire au moins ça. C'est magnifique. Magnifique. Il manque encore le gazon et après ça c'est complet. On n'aura pas autrement là à gauche. Tout est sur place. Et mets son boulot. Et suis un petit peu parce que là, et maillot un petit peu. Hein, voilà. Si vous n'avez pas, je vais. Dernière question. Écoutez, on parle tous, c'est, comme je dis, chacun a son opinion, ses perceptions de football. Je remarquais, vous intéressez un petit peu plus de côté pourquoi celui-là. J'aimerais bien qu'on parle tous du football. Mais vraisemblablement, c'est quand il y a sympathie vis-à-vis de ça. C'est tout à fait normal, vous n'êtes pas à tout seul. Mais aujourd'hui, les médias sportifs sont beaucoup plus critiques parce que vous êtes 60 médias en Algérie, chacun va expliquer ça. Je comprends. Et que je vous sache, comme je demandais respect, monsieur qui l'a parlé, respect, c'est, vous pouvez critiquer, mais certaines choses qui dépassent les limites sportives, après je réagis. Vous pouvez dire, voyez, tu ne sais pas travailler, tu as choisi ça. Ça, c'est votre opinion. J'essaie d'expliquer mes opinions, mon mode de jeu. Mais je ne fais jamais unanimité sur ça.
c'est un petit peu difficile. Comme je dis, je ne veux pas faire l'équipe pour faire le plaisir à vous, aux joueurs, aux dirigeants. Je vais essayer de faire l'équipe qui peut gagner. Si ça ne va pas, s'il vous plaît. Si ça ne va pas, mais moi, c'est seul fautif. Tout le monde reste sur place, seul sélectionneur. Je dois assumer mes responsabilités. Dans le fonctionnement, même fédération, vous ne pouvez pas imaginer qu'on y a un changement. Maintenant, chaque membre de staff, technique, administratif, même monsieur à côté de moi qui s'est bientôt marié, il est un petit peu, vous voyez comment il est, il ne dort pas beaucoup, il n'a pas travaillé quelque chose. Bien, mais je dis, viens, réveille-toi, Maria, c'est après. Mais en rigolant un petit peu, c'est toujours, il faut un petit peu rigoler, il faut comme ça. J'essaie de mettre en place tout le monde et responsabilise, comme je dis, je faut pas. J'ai entendu un joueur l'a dit, c'est pas mon goût, c'est toujours faute d'entraîneur. Il a dit, c'est gardien, faute de gardien. Mais non, on ne peut pas dire ça. C'est faute d'entraîneur. C'est comme ça. Et responsabilise, je dis, le gars, je vous responsabilise sur votre travail, sur votre comme ça. Un joueur en retard au rendez-vous parce qu'il avait quelques problèmes, il ne m'a pas téléphoné. Mais pour moi, il est en retard. Il est en retard, vous voyez, vous ne connaissez pas, même vous connaissez tout. C'est à cause de la transparence. Je veux, vous ne connaissez pas. Je dis, il y a un joueur retard. Mais tous les autres, ils arrivaient. Ils ont cherché avion, ils arrivaient. C'est ça qu'il y a un changement radical, révolutionnaire. Tout le monde, il doit être responsabilisé pour arriver. Et ce que quelqu'un, je l'appelle un joueur, il est salon, magnifique. Mais il n'y a pas au rendez-vous, il a dit, il n'est pas là, je ne peux pas, deux, trois jours, il joue match 90. Mais je ne suis pas un con aussi, comme ça. Attendez. Et comme monsieur m'a proposé tout à l'heure, il a dit, mais si quelqu'un est Maradona, s'il ne mérite pas pour porter le maillot, il ne va pas avec lui, c'est tout. Mais je n'ai pas compris avec personne le mérite, mais quand il porte maillot au national, mais pour responsabilité. Ah, je viens à match parce que je choisis match. Mais je connais ça à Côte d'Ivoire. Là-bas, pour qu'il soit en Malawi ou Mozambique, là-bas, coach, Mano, ainsi va. Et de façon. Mais le joueur classe. Mondial, mais il est une réflexion. Et comme ça, je veux. Si quelqu'un n'accepte pas, mais ça, c'est son problème. Je suis responsable, vous avez mon président d'un jour, les peuples algériens est comme ça. Vous avez deux joueurs, est comme ça. Tout le monde observe, regarde, je dois être crédible. Premier jour, peut-être dans un mois, je serai viré, ou dans un an, je ne sais pas. Mais, après, quand je pars, je veux que je peux regarder tout le monde de les yeux. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et comme je dis encore une fois, football algérien, il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail, tous les niveaux. La nationale, internationale, nationale, jaune olympique, tout. Au lieu un petit peu fermé, ben, il faut un petit peu mettre au... Parce que le peuple algérien attend de plus et on a moyen pour proposer une bonne condition de travail. Pour à vous de vous. Ben, il n'est pas tout seul, il y a d'autres joueurs. Est-ce qu'il est vrai ou non? Il a posé quelques conditions parce que vous savez, il a dit ben, je veux si je joue, je ne sais pas si c'est vérité. En ce moment, je n'ai pas le temps encore. Il y a quelques joueurs algériens, double nationalité, très intéressants. Très intéressants. Je dois savoir, je vais discuter prochainement au bout des bouts et comme ça. Mais c'est un garçon, qui me dit, je sais qu'il est un bon joueur. Mais chaque fois qu'il est arrivé à l'équipe nationale, il est en retard. Mais il faut dire, stop. Mais il faut dire, stop, monsieur. Et s'il si avait, on va dire, bah, contre le Maroc, il est arrivé trois jours avant, il a mais attendez un petit peu. Et après, vous pouvez dire, bah, mais pourquoi tu as servi? Lui, il m'a dit, le joueur qui est retard. Hein? Voyez ça, un joueur qui est retard, il s'est excusé. Et tout le monde, il est comme ça. C'est ça que je veux créer. Vous comprenez ça? Mais il n'est pas question de talent, debout, c'est d'autres qui ont talent. Mais vous savez, d'autres choses. Mais je ne veux pas jouer avec retard parce que après le jeu, il faut me poser des questions. Et lui, il arrive 12 jours retard, il joue, et moi, il est là une journée avant. Vous comprenez ça? Ces équipes nationales, ça, sont tous vedettes. Tous qui sont vedettes. Là ou là, ils sont tous vedettes. Avec respect. Mais je dois regarder entre l'équipe, pas entre les personnels.
Ça pose quand vous pensez, c'est ça, votre question qui pose, ça m'a un petit peu irritant. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu ça. Et là où vous posez des questions, sur football, ça c'est périphérique, secondaire pour moi. Comment on va essayer? Est-ce que vous pouvez donner un coup de main à Vaïd? Ben, on va faire propagande de football un petit peu plus offensif. C'est ça peut-être que j'ai besoin de ça. Mais pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? Pourquoi? Si je joue pour celui-là, on va perdre ou gagner. Maintenant, il n'y a pas la vedette Messi, Drogba et tout. Là, peut-être ça, il faut cette équipe. Il y a un moment qu'ils ont perdu cette force collective. Ils ont perdu un petit peu leur âme et les résultats sont arrivés mauvais, comme ça. Ça veut dire, ma philosophie, il est comme ça. Je peux faire faute, je peux se tromper. Peut-être, je suis trompé sur un deux joueurs contre Tanzi parce que je ne connais pas. Je voulais mettre un jeu que je n'ai pas beaucoup vu et mettre. Peut-être. Après, c'est compliqué. Physiquement, un joueur, je sais, comme ça, il n'est pas bien, je dois changer ma chance. Et vous voyez, maintenant, vous me parlez de joueur Djebourg. Il est en ce moment dans une situation très critique. Après blessure un mois et demi, il a commencé les trois matchs. Hop, et maintenant il est comme ça. Hier soir, il est fatigué. Mais c'est normal, je dis. Est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a même dans le groupe? Je ne sais pas. Ah, oh, tiens, il a de marquer super but contre femme, machin. Il a marqué là sur but contre Uruguay. Mais bon, il va, hein, vous cherchez votre. Mais vous ne voyez pas sur autrement et autrement. Et pourquoi pas je fais jouer lui ou lui, je ne sais pas. Quand je vois, il est bon, il est comment? Bon. Et vous voyez certaines choses, par exemple, certaines choses que vous connaissez, vous n'êtes pas au courant. Bon, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu football. Allez, on y va. Pardon? Bah, on est au football et j'aimerais bien qu'on parle, si vous... Oui. Regardez. Regardez, vous savez, cet match, bon, regardez le match. Le match contre Tanzanie, vous voyez, c'est un monde de famille, il n'a pas trouvé. On a fait un pas énorme.
Et pour arriver à ça, on ne peut pas ça. Vous savez, pour préparer ça, on s'y fait beaucoup de jeux pour marquer ce que je veux, pour marquer plus de rats, là, tout le monde est là. On a fait. Mais pas assez, on peut changer opinion, les choses qui se passent dans la tête d'un joueur pendant le match comme ça. C'est radicalement. Et regardez, c'est ça mon opinion de dedans. Qu'on fait précis très haut. Ça, c'est mon but. Premier 15 minutes. Cinquièmement, de comme ça. Tactiquement, ça a été tué sous cette dévariant tactique de l'arrière droit. Et au moment il n'y a pas de capacité, surtout le deuxième mi-temps, refaire parce qu'il est fatigué. Il y a 2-3 kilos de plus aussi. Et je pense que Pélage, il va fatiguer. Et au voisin, il va entrer pour régler pour gagner le match. Malheureusement, je ne pensais pas qu'on apprend le but. On apprend le but, et après on a eu quelques 10 minutes catastrophiques. Même marqué parce que c'est un catastrophe. Et ça, mon plan, il est tombé dans l'eau, mais je confondais avec voisin parce que je ne voulais pas. On avait aussi marqué ce but. Je sais qu'on a, à un moment donné, il sera retard de rotation. On a marqué le but. Mais on aurait pu marquer d'autres si on avait un petit peu conçu, si on a plus de conçu. Et surtout si on avait plus de physique prêt pour faire cette affaire. Surtout du joueur. Martin et Benjamin qui a raté complètement son match, parce qu'un joueur qui était rapide, l'entraînement, il a. Je demandais ça, il était toujours dans le jeu. Mais on ne s'est pas compris. Ça, c'est dans mon opinion. Et je suis même sûr que nous avons gagné. Malheureusement, c'est juste qu'il est arrivé, qu'on a pris, il a changé complètement notre plan et mon tactique, il était. Positif ou négatif, je ne sais pas, mais on avait une possibilité pour gagner. Après, il y a des choses pas mal positives, vas-y, il me montre le départ. Regardez ça pour moi. Cette possession de ballon de la finesse de départ. Regardez ça. Tout le monde, toute l'équipe du monde, il rêve d'avoir le jeu de Barcelone. Non, c'est extraordinaire. On ne peut pas bien comparer n'importe quelle équipe, c'est incomparable. Mais comme un repère qui vient de d'autres planètes, un jour tout le monde il va arriver à aller au gauche. Et regardez, match Algérie-Maroc, premier match, voyez ça. Barcelone, il fait 700 passes. 5 matchs. Un club en France qui joue du passe. Barcelone, il fait 600 passes. Et regardez ça. Et regardez que nous, on a doublé. Ça veut dire, on a commencé parce que chaque autre que je fais, réduit tous de bas, une ou deux touches, garder trois touches. Et c'est ça qui provoque mouvement et comme ça, sans ballon comme ça. Vous voyez, on a fait pas vers l'avant énorme. Donc on a fait 4 occasions nettes et 4 occasions qu'on aurait pu avoir ce ballon dans la profondeur d'un intervalle, comme il dit, de la joue, trois ballons tout seul. Il a donné ce tout ça. Les deux émissions, un voisin et un, comment ça s'appelle, Géza, qui peut donner pour Mazmoud. C'est-à-dire, le jeu de passe provoque l'occasion pour le but. Et là, on a fait une barre énorme. Vis-à-vis, le match Algérie-Maroc, Algérie l'a gagné 1-0. Là, ils sont perdus. Oui, de toute façon, on peut se tromper. Algérie a fait un match, première minute, très correct, même très bon, après ils ont sombré comme ça. Et pourquoi on sort de passe? Parce que ces passes qu'ils ont fait, ils ont fait ça. Là. Et là, c'est ça que je compte. Pour moi, ce n'est pas beaucoup facile. C'est notre jeu de passe,
se transmissem será através para a população de mulher lá, está comprovado e se vai ficar, se vai ficar. Aprende a reunir um pouco, reunir lá, reunir e subir. Só um pouco lá, beaucoup moins. Et quand on fait cette statistique, il faut regarder le site dernier 30 mètres. Ça, c'est important pour le site. Quand il y a le site enlevé, il y a possibilité pour marquer. Mais quand il y a occasion pour marquer, c'est-à-dire l'équipe produit le jeu. Il produit le jeu. Mais j'ai vu le match là, j'ai vu son propre occasion. Comment l'équipe, il joue comme ça à l'intérieur. Non, c'est rigolo ou pas rigolo, mais c'est ça. Quand je dis, c'est un petit peu connu, mais ce ne sont pas des choses comme ça. Regardez. Je ne sais pas pourquoi je vais regarder. Après, réussir, et je vais faire très avant, ça c'est aussi très important que je le dis. Vous voyez. Vers la gauche, voyez les choses. On a fait 164 pas vers la gauche, là, beaucoup moins. Ça, c'est aussi pas énorme pas. Et là, je vais te poser une question maintenant. Hein? On n'a pas de dernier pas. Voyez ça. Eh bien, on doit travailler un petit peu ce dernier pas. Après, coordination avec porteur de ballon. Et après, si on a une coordination, c'est ça. Expliquez ça. Pourquoi coordonner ça pour après réussir. Regardez ça, c'est une chose que donne indication pour ton travail. Après, récupération de ballon. Regardez ça. Vous voyez, l'expérience en général, on a gagné tous deux, c'est ça. Et on n'était pas trahis. Hein? Chaque joueur individuel disait, malheureusement, agrément, on était dépassé un peu, non hein? Mais on a fait plus. On a fait plus. On a gagné tous deux à l'extérieur. La portance à l'extérieur. Souvent, l'équipe, il gagne beaucoup plus les duels à domicile qu'en extérieur. Ça, c'est aussi les choses positives. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Non, on va mettre avec on récupère un ballon. Et regardez, et gros problème ça. On a travaillé. Je ne vis pas assez, mais j'avais mis un autre mot pour travailler un peu. Que le joueur. Pour pas mettre tout détaillé, on ça, très précis, plus haut possible. Et vous voyez, on a récupéré le ballon, oui. Hein, je fais autrement. Je demande autrement. Vous voyez. Bah, c'est rigolo ou pas rigolo, mais c'est la vérité. Hein. Et, j'ai bien rigolé aussi, de toute façon, mais ça me mis en colère. Et regardez. Et c'est ça que je passe. Pourquoi ça? Ils ont habitué depuis des années à demander ma monnaie à Vincent. C'est pas si on est de produit pour le châtier Vincent de l'Iran. On aura un petit peu de grillade, un petit peu de salade, et bah on est bien. On fait tisane, et bah c'est bien, non? Et bien on va essayer. Et on va essayer cette ligne. Voyez ça. On récupère alors, remonter si haut possible. Et ça, c'est pas seulement, il n'y a pas là, ça nous qualifie, c'est plutôt mental. Mental, on est costaud, physique et confiance. Est-ce que tu vas presser ou non? Moi, être Messi pour être pressé. Mais Messi, il fait pression. Et on a préparé les cassettes, ils ont voir le moment. Comme Barcelone, il récupère le ballon très au moment de faire. Et s'il participe, tout de Messi. Mais pourquoi? Un, deux, trois, on passe faire un ballon là. Pourquoi? Et après, ils ont fait bon match. Mais si un match bon, aujourd'hui, le football moderne, s'il n'y a pas un rôle, bien sûr,
Ah, je pense que vous avez dit que le ballon avait été récupéré. Mais il n'y a pas récupéré. Mais qui récupère un ballon, c'est un ton. Très bien. Je ne peux pas récupérer du bien. Mais il faut faire l'effort. Ah non, je ne peux pas faire l'effort parce que je suis fatigué. Moi aussi, je veux dire. Quand on m'a dit, il ne faut pas y faire partie, on ne peut pas vous dire. Ah non, il faut faire. Mais je suis obligé de faire. Aujourd'hui, c'est un football. Deux roses. Il y a deux animations. Ça veut dire pas que facile. Quand il y a un ballon, il faut faire compter, il faut jouer, pas chacun à son position. Défense, attaque, il participe. Non, c'est pour faire les gens ballons, il y aurait. Nous participons encore plus. Et quand il n'y a pas ballon, il faut récupérer un ballon. C'est-à-dire quand il y a ballon, s'il joue à 10, quand il récupère, il faut récupérer à 10. Mais c'est comme ça. Tout le monde, tout le football moderne, ils pratiquent ça. Dans l'équipe, s'ils font bien ça, ils ont un haut tableau. Les autres, ils font, il y a philosophe, moi, je dis, ben non, ils ont un ballon. Qu'est-ce que la qualité? Qualité récupération, c'est générosité, sacrifice, volonté, confiance, bonne ambiance dans l'équipe. Mais on va, mais je dis, c'est nous, il y a bonne ambiance quand même. Mais il n'y a pas bonne ambiance pour récupérer le ballon. Oh, on récupère, voyez ça. Vous voyez qu'il y a plus d'arguments indicatifs sur la négativité de notre match de oui. Comme je dis dernière fois, on va essayer souvent, même contre vous voyez, parce que si on balance, si on peut transmettre là. Au lieu de là, il faut mettre d'autres matières. Dans mon conception, je voulais un petit peu, même certaines qualités équipe algérienne, dans la nature, partir être efficace, je voulais un petit peu donner cette culture vers avant et faire plus matière. Prendre risque, ça c'est incontestable, c'est risque de venir et faire changer. Peut-être sous deux fonds, mais je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas obtenir cette équipe qui joue avec 8 mètres de portée. Je ne peux pas. Je préfère quitter la direction comme continuant. Je prends le risque. En plus, je réussis. Je ne suis pas sûr. D'accord, ça, il y a beaucoup de discussions avec mes joueurs, compréhensibilité, complicité, tout ça. On vous demande. Un joueur qui devait demander 3, 4 joueurs ont raté son match. Ça, on ne voulait pas. Non, ils n'ont pas compris mon message. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris et maintenant je dois être plus. Vous savez, ça a été un petit peu. Ils ont un petit peu. Regarde, quand je parle avec lui, il est fini comme ça. Chaque fois qu'elle dit, est-ce qu'il y a prévu? Ils n'ont pas compris. Là, quand tu es clair dans cette charge, ils n'ont pas compris. Un attaquant, deux attaquants, ils n'ont pas compris. Demandez dans l'autre, demandez. Petit, c'est pas pour bon, lui, il n'y a pas de compliqué, c'est tout ça. Et sa force, il doit être là. Il est un peu rapide, un peu rapide, il a ça. Tout ça, je pense qu'il veut. Il n'a pas fait deux fois qu'il a fait à faire, le ballon n'a pas arrivé. Et on ne sait pas avant. Ça veut dire, dans mon réflexion, je veux qu'on puisse se faire. C'est un plat d'attaquant. Mais il y a différentes organisations. Regardez et quantifier une organisation. C'est un peu, quand je dis, pour moi, je compte sur Matmour, sur Kadir, qui est encore Gilard, qui je l'ai appelé, il y a encore Gilard. C'est ça, ça fait tout. Au lieu de faire Kadir Joura avec un joueur comme Gianni, ou d'un bout, ici, peu importe, vous voulez tenir. Mais tous les appartements, tous les appartements traités comme ça, c'est difficile à avoir. Avoir un possesseur, c'est un bon partenaire, c'est pas ça qui fait ça, c'est un bon partenaire. Non, pas du tout. Mais vous avez des joueurs capables de faire ça. Avoir un possesseur, c'est un bon partenaire, ça va être vraiment fort, hein. Je vois beaucoup d'équipes qui ont. Quand on dit 50%, c'est vraiment très bas. Ça. Parce qu'on a un compte, vous savez, on suit tout le ballon. Je vois qu'on fait un petit peu plus, hein.
Anche se non fosse più mio, era un romano, sta più così. Mette, se fa troppo di però, sta più così. Vedo quando ne fai fare un mangio di sua persona, con le rispetto di legalità, ma anche altro per più che bisogna dire, vamo a Dime. Dime. E non è già già, Dime. Capus. E se fa domanda, se giù è del rito, ti vamo a Dime. Certo. Bon, je pense que, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait sur le banc? Je pense que, par exemple, entre le match du Maroc et les deux matchs du Maroc et l'Algérie, vous trouvez qu'il y a beaucoup de fautes dans le match du Maroc. Est-ce que vous croyez qu'il y a, en 2010, quand vous avez joué contre l'Algérie en Coupe d'Afrique, il y avait ces fautes-là? Est-ce que l'Algérie jouait bien à l'époque de Sadam, en Coupe d'Ivoire, en Coupe d'Afrique, ou bien il y avait toujours ces problèmes-là? Contre Côte d'Ivoire, l'équipe algérienne a fait un match magnifique au plan réalisme. Ils ont tiré 3 points, ils ont marqué 3 buts. Leur succès, c'est pas beaucoup de temps récupéré. Matmoul et Zap, ils ont fait double kilométrage que nous mais tous les 4 défoncés, parce qu'ils ont été pris pour autant. Ils ont explosé le monde. Et ça tire Matmoul, 100 fois dans l'ordre. Après, on savait le temps qu'ils ont. Pianini l'a centré, il y a 3 secondes là, ils ont fait physiquement, parce qu'ils voulaient, je ne sais pas, pourquoi tout ça. Là, vous avez vu, soit jouer sur l'île, deuxième but, soit jouer à derrière, la mienne, 3 secondes, non? Vous vous souvenez de ça? Quand tu peux réussir comme ça, ils ont fait un match magnifique. Et après, ben, ils se sont montés un petit peu, ils ont taillé, c'est ça, ils ont un petit peu, hein? Ils ont fait un match contre. Ils n'ont pas changé beaucoup de choses dans leur conception. Ils ont derrière l'Est, il y a deux joueurs du monde, c'est Guéza et Matou, ils ont fait kilomètres vers profondeur. Et c'est ça que les deux équipes, qui ont un petit peu, ils ont un petit peu sous-estimé, qui veut là, on a fait deux pas. Le rendement individuel et politique, c'est bien, mais dans la pratique, sur le terrain, ça ne dépend plus de vous, ça dépend des joueurs, bien sûr, de votre choix. Je pense que si le joueur ne se sent pas en danger, il met en danger son équipe. Et je pense que, dans mon neuvième point de vue, vous êtes là pour essayer de pousser l'équipe vers l'avant. Et la solution qui s'offre à vous, c'est de bousculer les certitudes de beaucoup de joueurs. Quand les joueurs s'installent dans le confort d'être à chaque fois titulaire, tu joues bien, tu joues moins bien, ils mettent en danger l'équipe. Je pense que le temps est venu de mettre en pratique toutes vos thèses, c'est-à-dire de prendre les joueurs qui sont les plus rapides, qui sont les plus performants, sans tenir compte de la couleur du maillot qu'ils portent, du championnat où ils évoluent. Je pense que ça doit être votre message pour faire avancer l'équipe nationale sans tenir compte des noms du joueur. Écoutez, c'est exactement ça. Je ne sais pas quel idéalisme. J'ai mes projets pour futur. Mais ces projets, ils n'ont pas pour demain. Pour après demain. Pour 2 ans après. Un jour, je vais vous montrer, regardez le casse-tête, tout ça. Le travail, je l'ai dit, j'ai besoin de 4 ans pour changer certaines choses. Vous savez, une équipe qui joue trop de bâtiments, qui devient au bâtiment, bah, ça ne fait pas comme ça, pas du tout. Mais je vais essayer de donner un petit peu de confiance. Parce que j'ai vu les matchs, donc ils sont comme ça. J'ai un petit peu travaillé, je fais tout ça, je vais regarder, observer, noter, tirer, blablabla. Mais ça m'amène à un jeu de rien. Ils ont le ballon, ils restent comme ça. Mais je veux dire participe. Mais c'est pas. Il y a plusieurs problèmes de confiance. Quand je dis aux gens, il faut faire, par exemple, 2 arrières dans la football amateur. C'est ça. Ça se joue au domicile. Donc c'est très important. C'est eux qui font beaucoup d'écalage. On se dit, c'est eux qui arrivent sur le monde. Mais pour ça, bah, il faut être confiant. Il faut qu'ils y connaissent au top. Et comme ça. Est-ce que je le fais? Je ne sais pas. Mais comme je dis, je ne peux plus regarder ça. Ils ont fait magnifique, ils
qualifier sa coupe, ils sont tous du monde, ils ont demi-finalistes, ils qualifier sa coupe pour ça, ils ont réussi. Mais ce n'est pas ma conception. Je vais essayer un petit peu. Tout le monde m'a parlé un petit peu. On aurait bien appris la victoire norvégienne, je pense que je dois pas tout le monde. Mais je suis assis en attaquant, vous savez. J'ai marqué quelques buts. Et je la vois que mon corps est marqué. Pas mon conception, peut-être. Vous voyez, surtout pas les entraîneurs algériens, ils ont tant, comment dire ça, ils ont peur qu'on fait remarquer ça, quoi. Mais on met 8 mètres de hauteur, on a attention, c'est ça. Mais il faut un petit peu, prendre un petit peu risque contre Tanzanie. Un collègue après moi, il ne faut pas mettre la tâton, on va faire demain. Mais le Dieu, je vous perds, après je vous dis, vous êtes en plein, monsieur. Je vais essayer, je ne peux plus regarder ça, je vais essayer ça. Est-ce que je vais essayer? Je ne suis pas sûr. Et si un jour je ne peux pas réussir, je embrasse tous les joueurs et je pars pour le. Ou à Qatar ou à la France, c'est un objectif, un challenge plus difficile de ma vie comme entraîneur. J'ai un challenge difficile, vous savez. À un moment donné, Lille était là, et l'autre soir, je regardais mon équipe. Lille joue Champions League. Dynamo Zagreb Champions League. Trabzon Sport, il est Champions League. Et chaque fois qu'il est arrivé, ils ont été là. Et tout le monde, il est pourquoi. Mais on est. Et puis après, tout le monde a fait Paris Saint-Germain. Après, Raja Casablanca, ils jouent Champions League. Ils jouent Champions League, Itihad, hein, ils jouent Champions League, mais je trouve que les entraîneurs ne sont pas tout. Et j'ai eu cette façon de travailler, cette méthode. Peut-être que je vais parler aussi, je ne sais pas si je dis profond, je regarde. Mais mon intention, pourquoi je vais montrer ça? Je dis, quelle tâche un entraîneur met avec le joueur, si je parle d'accueil. Le gars, si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour le changer comme ça, le gars, bah, vous me dites, bah, je pars tout de suite. Ce n'est pas la peine, comme je disais, comment ça s'appelle, le boulot de ce qui remontait toujours les cailloux. Non, je veux qu'on remonte. Et cette match, vous dites, il est autre importante. Quelle importance qu'on a ces qualifications pour tout le monde, match Centrafrique. Si on perd, après mon livre, mon dit, ça n'a jamais gagné. Maintenant, je veux enlever tout. Enlever toutes les soucis, il n'y a pas toujours faute. Entraîneur, l'herbe, spectateur, médias, mais il faut se prendre un petit peu en soi-même. Mais je sais qu'à une telle part, moi je suis tout seul responsable. C'est moi qui l'a viré. En moi, je peux vous regarder dans les yeux et avoir une image plus ou moins négative, mais je peux vous regarder dans les yeux. J'ai essayé, c'est pareil aussi. Marcelo Lippi, il y a quelques années, un meilleur entraîneur du monde, il a viré de Juventus, à 6 mois après, il a viré et terminé de Inter. Et je dis, Marcelo, qu'est-ce que mais tu peux pas, toi, tu veux être comme ça, c'est mal parti tout ça. Mais c'est comme ça. Je ne suis pas venu à Algérie pour argent, même vous allez demander un salaire, j'aurais d'autres. Propositions, vous êtes mon meilleur et comme ça. Bah, je peux aussi à Qatar aussi. Mais attention, quand vous dites que Qatar, là-bas, j'ai vu le football, et, hein, vous arrivez dans le... T'as dit un boulot, un salon, et non, est-ce que je le suis, monsieur? Je suis pas sûr. Au moins, je vais essayer de vous expliquer quelle est mon vision pour le futur. Et pour le joueur, je suis souvent en discussion, de parler, comme ça. C'est à cause de ça, quand il met l'opposition, complémentarité, et si à droite, je sais que je vous en fais tout en profondeur. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est le Boudebouz qui fait un bon match, peut-être dans son petit bêtise, hein, mais sur son talon, c'est un classe, non? Et là, je vous en fais d'autres films, parce que pas les bons. D'autres conceptions, d'autres tactiques, il y a besoin de Matour ou Kadir ou un garçon qui est algérien, qui demande ballon là-bas. Je pense que pour demain, j'espère que vous m'allez se comprendre. Ok.